Ah,
Allô, ouais, c'est bon. On se retrouve. Du On se coup, désolé, retrouve. petite interlude en vif, ça disait au revoir à des gens. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'on était sur Yoshi's Story, là, Ouais, on maintenant. a eu des petites erreurs de la part d'Insomnio, là. Et sans trop de On surprise, s'est Erota a trompé. gagné. Franchement, j'aurais pu parier. Je risquais pas grand-chose. En attendant, je crois qu'on a dû changer de map, j'ai pas trop vu, c'était Smash Smash 2. Vide. Ouais, c'est ça. Smash 2 peut être assez intéressant, parce qu'on a permanent cette mid-plate, qui peut être très très bien couverte, et qui du coup te split un peu le terrain en deux. Donc ça peut être un petit peu compliqué à gérer pour un Erod qui a peut-être commis des erreurs. Après, Erod Samus, enfin pardon, Smashville Samus, c'est pas non plus si mauvais. Donc voilà, oh ça tu vois, faut pas se faire avoir. Ton Smashville tout le temps il va grave. Faut toujours essayer de le bait, après t'as ta première phase d'avantage. Mais voilà, en tout cas on est déjà parti sur une petite phase d'avantage bien explosive de la part du petit père Erod, 72% de gratté, ça va vite. Mais voilà, on va essayer de retrouver un petit peu d'air et au final on se fait instantanément grab. On est maintenant. Ça va être l'avantage de Smashville, c'est qu'au moins on est souvent dans le corner. Et dans les deux cas, ça peut un peu limiter ton jeu parce que tu vas manquer d'espace. Mais du coup ça va être un peu à celui qui va avoir l'avantage. Pendant qu'ici on s'est fait aspirer par le B quasiment jusqu'à la Blast Zone. On a tendance à 33%, on a un avantage assez intéressant de la part du petit père Erod qui peut peut-être mener à un lead. Oui, là on est sur un lead Hop assez là. solide, en plus on trouve là, on a un petit peu commit sur ce F-tit, malheureusement ça pardonne pas parce que Erod il est très au fait hein, des punishes. Et là on vient de trouver déjà donc la première stock avec ce backer et 40% qui sont tranquillement appliqués. Honnêtement, Smashville, je pense qu'Erod il est très très à l'aise dessus. Et je sais pas si ça va être énormément à l'avantage d'Insomnio, même si évidemment c'est une très bonne map pour Snake, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est un peu au même titre que Yoshi's Story, on est très à l'aise dessus. Après là on a couru dans deux F-smash. Donc on s'est permis de malgré l'avance qu'on avait de prendre voilà un petit peu et donc là on va continuer à appliquer quelques pourcents et on va essayer de survivre. Très bonne punish ici puisque la grenade viendrait exploser. Heureusement qu'on a esquivé tout juste ce F-smash, mais on trouvera quand même un petit downer nair pour mettre quelques pourcents et là on est déjà à 100% de retard et surtout 100% sur Smashville contre Samus. Ça rigole pas du tout, même si voilà on va pas tout de suite mourir de grab étant donné qu'en plus on est Snake. Petite passe potato ici, des paris dans tous les sens, des punish ratés et là par contre un smash. On vient essayer peut-être d'appliquer offstage ici. On a très bien dirigé le cypher pour pas permettre de couvrir la roll. Et là, dash attack, malheureusement c'était weak spot. Et on vient prendre le backer directement derrière. Par contre, les paris pleuvent pendant ce temps-là. Et par contre, on va s'activer sur propre C4. Une stock complète de retard. Une phase de désavantage qui n'en finit plus. Le char shot dans le shield. On sait plus trop quoi faire du côté d'Insomnio ici. On est en grande galère. On va malgré tout réussir à retrouver le centre du terrain et peut-être jouer une phase de ledge trap. Par contre, voilà. Donc, on essaie de se défaire de ça du côté des rots. Mais. On va être inlassablement renvoyé vers le bord, le FTX suffira pas, on a essayé un petit mix-up pour trouver un petit et trouver la stock parce que là évidemment il faut trouver rapidement avant de se faire trop gratter et de plus pouvoir tout simplement trouver la dernière même si on trouve la deuxième. Et là on arrive à se défaire du ledge trap du côté des rots et même trouver un downer. Il va falloir essayer de trouver la deuxième stock ici du côté d'Insomnio et c'est chose faite avec ce bon backer. On positionne bien, on reste patient, on observe et on applique hein, le bon backer. Malheureusement on n'a pas réussi à avoir le bon timing sur l'entrée getup, on va manger sa propre grenade et on va encore accumuler pourcent et pourcent du côté des rots. Et là ça devient de plus en plus complexe pour Insomnio qui voilà va couvrir tranquillement sa remontée et on va pas jouer de ledge trap mais voilà, on est quand même en grande difficulté. En effet, là maintenant on va falloir réussir à sortir de cette phase de désavantage qui ma foi dure depuis un petit moment. On est maintenant dans l'edge trap, une phase très très forte de la Miss Samus. On arrive plus ou moins à s'en extirper même si on est quand même au corps à corps, ça peut être un petit peu dangereux. Et là, malheureusement, on a essayé d'activer un C4 pendant que le chercheur nous courait dessus. On arrive une nouvelle fois à passer avec cette roll, hein, peut-être qui va commencer à être couvert par la Mierot. On a néanmoins un semblant de victoire qui peut apparaître. On a quand même un bon 80% ici, F-Tilt qui va continuer à envoyer offstage. Et on arrive à avoir un très très bon momentum hein, pour l'instant qui va peut-être solder ici par une fin de phase avantage peut-être gagnante pour la mine Somnion. En tout cas on approche de la fin et cette fois le grab il n'aura laissé aucune chance ici. On le disait dans le chat hein, mais en effet sur Smashville t'es quasiment constamment en range de grab et ça peut faire très très mal. Je voulais juste rebondir sur un truc que j'ai entendu, on peut diriger le cypher. Ouais. Ah ouais. Ouais tu peux, je crois que tu peux diriger plus ou moins vers la gauche ou vers la droite. Ah mais... Parce que là il est allé vachement vers ouais, la droite. Ouais il allait vachement in, je suis d'accord ouais. Mais pour moi c'était parce qu'il avait un drift in et du coup c'est parti in. Bah ouais, tu peux le diriger avec ton drift quoi, c'est ça que j'entendais. Ouais mais genre, c'est... Enfin je veux dire, c'est une fois que t'es revenu. Enfin une fois que tu l'as lâché, il... Non, non c'est pendant je pense. Okay. Après à confirmer avec Azure, parce que Yael connaîtra beaucoup mieux. Mais il me semble que tu peux, ouais. Enfin, je pense que tu peux diriger plus ou moins avec ton drift. Alors après je sais pas si c'est dirigeable... Enfin t'es plus dirigeable pendant que t'as le ledge. Il me semble, c'est pas non plus comme le BDD par exemple. Mais je crois que t'as quand même du drift que tu peux appliquer.
Ok, bah bon à savoir, en tout cas, en effet, on en a su plus ou moins s'en servir. Néanmoins, rien n'a changé sur ce résultat, c'est quand même Erod qui a gagné cette game. Donc bon, là, va falloir se réveiller, mais en même temps, on le voit sur la player cam, hein, derrière Insomnio se trouve son plus grand ennemi, la maman d'Erod. Ça, c'est chose qui peut changer. Oui, malheureusement, c'est le buff dont on parle depuis le début, mais il est réel. Hein. Il est complètement réel. En plus, on est reparti sur Smash vite, donc voilà, on va peut-être commettre les mêmes erreurs. Mais très bon ledge trap, encore une fois, c'est Smash, il sait les trouver. Ou alors, on sait rentrer dedans au choix. Hein, prenez l'option que vous voulez. Dans tous les cas, on trouve cette première stock très rapidement du côté d'Insomnio. Et peut-être qu'on va pouvoir plus imposer le rythme dans cette game. Là où on a un petit peu subi en game 3, hein, de là où on subissait beaucoup le manque de range, le manque de distance avec Samus. Pour se laisser distancer, on essaye le char shot pour contrer le Cypher ou le Snake. Dans tous les cas, ça ne touchera rien. Et là, on essaye un petit peu toute sa salade. On voit un Erod qui essaye énormément de bait des choses, de faire paniquer. Et pour l'instant, Insomnio, il reste de marbre. Malheureusement, le nerf qui suffira à trouver la stock, mais on a trade le jump avec le Cypher. Ce qui fait qu'on ne pourra pas remonter du côté d'Erod et on a une stock complète de retard maintenant sur cette game 4. Ouais, c'est dommage, on allait chercher du high risk, high reward et au final, on s'en sort pas énormément. À son compte pour Erod, maintenant il va falloir faire un gros boulot si on veut espérer de revenir. En attendant, on est quand même sur une map qui peut l'aider, donc on a potentiellement des choses à gratter. Mais en attendant, celui qui se fait gratter, c'est lui, hein. Là, entre les grenades, les trades un peu douteux, etc. On est déjà à 72%, là en plus on a un petit peu pré-shot notre B, on arrive à se faire punir. Et la phase d'avantage a commencé à être assez longue pour Insomnio, pour gratter suffisamment. Ici on va trouver ce field, pas du tout, en fait on a eu le temps de le shield. Et maintenant c'est inversé, c'est à Insomnio d'essayer d'atterrir. Et chose faite au final, sans trop de galère, on a été assez tranquille, hein, du côté des rots, pas trop de pression appliquée. Et là va falloir réussir à trouver quelque chose parce qu'on a quand même une stock net d'écart, donc faut réussir à marquer ce point. On peut pas juste jouer tranquille et se faire gratter petit à petit, va falloir faire la différence. En attendant, on a du mal à rentrer, on joue très patient côté Insomnio, donc ça rend un peu les choses compliquées pour le petit Père Samus. Et une fois qu'on est dehors, bah, on se fait un petit peu avoir, c'est normal, c'est Snake, donc on a des très bonnes choses. Malheureusement le back air ici passera pas alors qu'on en avait besoin, ça va être compliqué si en plus même les kills confirmés ne rentrent pas. Le back air ici permet de nous envoyer au stage et encore une fois faut passer cette passe démoniaque. On a essayé de mettre ce up shield sur la normal get up qu'on a pu shield. On arrive cette fois à trade et malgré la tech situation, on arrive quand même à revenir. On a donc 135% de retard, ça un peu méchant, mais c'est Erod. C'est Erod, moi j'y croyais juste avant ce up tilt, pardon. J'y croyais pas, hein. Moi j'y ai jamais cru de toute façon. Cependant, voilà, un 2-2 qui va être retrouvé ici pour Insomnio. On a encore la possibilité de reset, possiblement, si on s'en sort bien durant cette Game 5, ou de clôturer la weekly, ce jab check 24, si je ne fais pas erreur. Attention, parce que là, c'est pas n'importe quel Erod, c'est Erod buff maman, Erod buff Metroid, Erod buff Game 5. C'est pas n'importe quel Erod, et en plus on a le choix de la map, non? J'imagine qu'on est retourné sur Smashville s'il est parti en Game 4 aussi. Non, BF. Ok. Choix intéressant aussi, moins de problèmes avec le C4, plus de possibilités de faire un petit peu des réalités sur plateforme, des juggles, ce genre de choses. On peut trouver des belles choses avec Samus, là où Snake voilà, va un peu plus peiner à trouver des confirmes. Et là on voit qu'Erod, voilà, c'est confirmé. Il les trouve, déjà 70% qui sont appliqués. Voilà. On est de retour, hein, sur une belle phase d'Erod ici, mais Insomnio qui voilà, compte très bien répondre aussi, puisqu'on a 60% qui sont appliqués, mais c'est très très compliqué ici d'atterrir pour Insomnio. Malheureusement on trouve des pourcents, on essaie de reverse, on avait un petit C4 sous la poche, mais malheureusement ça suffira pas. Zachaka qui n'aura pas encore raison de la première zone d'Insomnio, mais on est en grande difficulté ici, on va revenir au ledge trap. C'est la dash attack ici qui permettra de donner un petit peu d'air à Insomnio, mais malheureusement on ne le garde pas longtemps cet avantage. Un Erod qui s'en sort très bien, souvent à bon compte avec très peu, enfin quelques pourcents, mais en tout cas pas de situation désastreuse. Et on arrive même à trouver la première stock avant Insomnio, là où voilà, on avait possiblement un reverse de momentum. Il n'y a plus de momentum du côté d'Insomnio, on prend extrêmement cher ce smash en plus qui vient renvoyer off stage. 87% déjà, il va falloir survivre au ledge trap. On a encore de l'autre côté maintenant, on est renvoyé, on n'a plus beaucoup de solutions ici du côté d'Insomnio. C'est bon, on a réussi à récupérer le center shed et même à trouver le kill, je crois. Non, ça ne suffira pas, on a été un petit peu lent sur cette punish de get up attack. Et là c'est peut-être Erod qui va le trouver. Oui, le dernier hit seulement qui va être trouvé. Et là tu l'as dit, bah en fait c'est typiquement ça, hein. Erod sous triple buff,
Et la game 5 elle rigole pas du tout. Et là pour le coup pour Insomnio, bon on arrive quand même à trouver un update, mais on a une stock complète de retard en seulement 1 minute 30, là où les games d'avant étaient un petit peu plus lentes. Ayrot a complètement inversé le momentum et complètement pris le contrôle du rythme. Et en effet, il a pas aimé perdre sur Smash V visiblement, parce que il est en train de l'exploser sur BF pour l'instant. Cependant, on n'est pas non plus à l'abri que Snake revienne. J'ai preuve de beaucoup de compassion pour notre ami Insomnio, parce que bon, on est plusieurs à l'avoir goûté, hein, cet Ayrot très très méchant de la game 5. T'es là, t'entrevois un espoir, t'entrevois le moment où tu peux peut-être gagner ou un reset. Et Ayrot, il te prend tout, il reprend tout ton espoir qui était dans ton cœur. Et là, on en continue de manger ce back air ici sur cette situation un peu spaghetti à cause des grenades. On tap check, on est à pas de C4 mon pote, tu ranges ça, t'es renvoyé off stage avec Forward Air, t'es obligé de tuer ton cypher très très tôt. On arrive quand même à travers l'edge et là on marche tranquillement au 2v3 d'un air vaillant, mais rien n'y fait, on trouve quand même cette dash attack ici, on ne se laisse pas faire côté Insomnio. Et là malheureusement on a mis beaucoup de pressure et ça ne suffira toujours pas, on continue de pressure ici, F-smash en réponse, dehors, on a complètement inversé le rythme ici. Ayrot qui a pris le contrôle complet de la game 5 et qui a dit Insomnio, malheureusement ce n'est pas ton soir. Si tu l'as dit, hein, il aime trop en fait donner de l'espoir et les briser comme ça de sa main d'une seule.